Avec Synaptic et son module server-side, on permet aux annonceurs de monitorer 100% des tags déclenchés, de s'assurer que le consentement de l'internaute est respecté, et ça fonctionne avec à peu près toutes les solutions de marché, de GTM server-side aux solutions custom. Le tracking server-side est de plus en plus utilisé par les annonceurs. C'est une bonne façon de résoudre pas mal de problèmes, comme les adblockers ou navigateurs trop zélés, la dépendance au cookie tier ou l'amélioration de la performance du site. En 2024, ça devient compliqué de faire du marketing un peu sérieux sans server-side. Niveau privacy, c'est une super occasion de reprendre la main sur les données partagées avec les partenaires. En se positionnant en intermédiaire entre le navigateur et le partenaire, l'annonceur a la possibilité de filtrer les données personnelles envoyées et donc de respecter mieux le consentement de l'internaute. Mais c'est aussi la possibilité de faire n'importe quoi côté privacy. Pas de tag déclenché côté client, pas de possibilité simple de contrôle. Mon internaute n'a pas donné son consentement pour Facebook, pas grave, je déclenche côté serveur et globalement mon utilisateur évoque du feu. Jusqu'au débarquement et les sanctions de la CNIL bien sûr. Côté gestion des tags, c'est beaucoup moins facile techniquement à configurer et surtout à maintenir que la privacy côté client avec les CMP qui sont bien intégrés aux outils de gestion de tags. Un autre inconvénient avec le server-side, c'est que c'est beaucoup plus compliqué à recéter. Sauf à avoir accès à la console de GTM server-side par exemple, impossible de voir les tags qui se déclenchent, s'ils se déclenchent au bon moment ou avec les bons paramètres. On déporte un truc qui était bien visible côté console, dans le navigateur, dans une boîte noire. Et c'est encore plus vrai avec les apps pour lesquelles on ne voyait déjà pas grand-chose. Avec Synaptic et son module server-side, on permet aux annonceurs de monitorer 100% des tags déclenchés, server-side ou pas, de s'assurer que le consentement de l'internaute est respecté, server-side ou pas, et ça fonctionne avec à peu près toutes les solutions du marché, de GTM server-side aux solutions custom.